c'était les pubs de Jujidéa. Et maintenant, chers téléspectateurs du Jujidéa, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Sam Neve. J'espère que j'ai bien dit, et on l'applaudit très fort. Bonjour Sam. On sait jamais si... On sait jamais, ouais. Hein, ça va, toi? Ça, c'est moi. Bon, alors, une question me brûle les lèvres. Attends, juste pour dire, c'est magnifique, ça. Hein, qu'est-ce que magnifique? Le rose et tout, ça, ah, oui, parce que, ça, quand j'étais, en rose. Ouais, elles sont les deux petites machines pour taper là. Tu veux les cymbales? Ouais, j'aime bien ça. Attends, bah t'as qu'à parler pendant ce temps-là. Regarde, hop, voilà, venez à mon concert d'Isette. Voilà, alors qu'est-ce que tu vas faire avec les cymbales? Eh ben, je sais pas, tu vas parler, ouais. Moi je vais faire chill. Voilà, et ben ça, on va t'accueillir Sam Neve. Neve. Ouais. Alors, j'ai pas compris pourquoi il y a un S dans ton nom et qu'on le prononce pas, c'est agaçant ça. Bah alors, parce que Neve, en fait, c'est portugais. Ah, tu es portugaise? Oui. Ah, c'est sympa aussi. Donc en fait, on dit neige, on dit neige, mais en France, on fait simple, donc on fait neve. D'accord. Et le S aussi, c'est sympa, parce qu'à l'envers, ça fait seven, comme les sept péchés capitaux. Ah oui, Sam Seven. Donc voilà. Tu es chanteuse? Non, je apparemment. Je suis chanteuse. Enfin, elle est où, la caméra? Elle est là. Toi, tu regardes celle-là. Donc tu es chanteuse. Tu étais venue il y a quelques mois déjà. J'étais venue, ouais, l'année dernière. Ça ne s'était pas trop mal passé? Merci, on en fait trop bien. Je suis contente. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre tout de suite ou on reste un peu parce qu'il y a encore l'émission? Non, il y a aussi l'intervieweur que je voudrais voir aussi. Ah, tu aimes bien le masque de Jujidéa. Ouais, ouais, pas sûr qu'il vienne, tu sais. Si, si, oh là là. Ah, c'est pas sûr. Ah, si, si, si. D'accord, comme s'il est assez timide comme garçon. Hein. Oui, je sais, mais avec moi, personne n'est timide. Ah bon? Alors, donc tu passes jeudi 13, mais c'est ce jeudi-là. Oui, c'est ce jeudi-là. Aux Zèbres de Belleville. Venez me voir. Avec mes boys. Les boys, c'est mes musiciens, c'est pas des gogo dancers ni rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer aux Zèbres de Belleville? Eh ben, on va chanter, on va kiffer, on va planer, on va partager, donc il faut venir. Voilà, c'est à quelle heure? C'est à 20h30, donc le Zèbre de Belleville, c'est à Paris, c'est dans le 11e arrondissement, c'est super facile pour venir, c'est métro Belleville. Voilà, métro Belleville et la rue. Voilà. C'est rue... C'est marqué dessus. Attends, rue. Il n'y a pas marqué... Hein? Rue Boulevard de Belleville. Voilà, merci François Goa. Voilà, Boulevard de Belleville. Voilà. D'accord, donc il va se passer plein de trucs en fait. Il va se passer plein de trucs. Tu as sorti un album. Ouais, d'égal à égal. D'égal à égal. Voilà, que tu avais l'année dernière. Absolument, voilà. Absolument. Et donc il y a un nouveau single aussi qui est issu de cet album. Donc, qui s'appelle Si tu savais. Si tu savais, voilà. Ok. Mais alors cet album, on ne peut pas le trouver physiquement, c'est non, ça alors, l'album, il est pas dans les bacs. Explique-moi tout, Sam. Alors, comment on fait pour acheter mon album? Parce que le but, c'est quand même un petit peu ça, hein, pour me soutenir. Alors, comment on fait pour acheter l'album de Sam? Alors, tu vas sur toutes mes pages, donc MySpace, YouTube, Facebook. Tu as aussi Anna, mon label. Oui, je la vois. Ouais. Voilà. Donc Anna, ça s'écrit pas comme le prénom Anna, c'est A-N-2-A, production, hein, avec un S.fr. D'accord. Et puis tu peux le commander, et puis même que je le dédicace. Et puis ce qui est bien dans l'album, c'est que tu as trois titres inédits. T'es célibataire, Sam, ou... Non, moi j'ai un chat et un chien. Ah bon, parce que tu... Non, mais voilà, non. Je ne parle jamais de ma vie privée, jamais. Tu préfères les animaux, c'est ça? Voilà, tout à fait, je suis zoophile. Ah, tu es zoophile? Ah, c'est la première fois que je reçois une zoophile, c'est sympa. Voilà, c'est très sympa. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sympa. C'est un concept, tout à fait. Bon, mais tu n'es pas venue seule? Non, je ne suis pas venue seule. Tu es zoophile? Je ne te présenterai pas Sandrine alors. Non, c'est trop petite pour moi. Trop petite pour toi, d'accord. Mais tu n'es pas venue seule, tu es venue avec ton guitariste. Comment s'appelle-t-il? Franz Fagot, donc, qui est mon guitariste. Franz comment? Fagot. Fagot comme un fagot. Qu'on l'appelle très très fort. Voilà, bon. Qui est aussi donc, le compositeur de tous mes titres sur l'album d'Égal à Égal. Ah, voilà. Donc, si tu es venu avec ton guitariste... Grand musicien, grand compositeur. Bah, si tu es venu avec ton guitariste, c'est que tu vas nous interpréter une chanson, Sam. Tout à fait, on va... Tu savais. Tu as le micro, la guitare, c'est bon. En exclusivité intergalactique pour le Jujidéa, Sam Neve. Never. Sam Neve. Va vous chanter si tu savais. Et on applaudit très très fort, bravo. Les mots pour te rassurer,
Avec moi il faut lire entre les lignes pour me déchiffrer. Je n'ai jamais osé plonger dans ton regard, de peur de m'y noyer dans un bonheur illusoire. Mais si tu savais comme j'aime cette mélodie, ces accords parfaits qui rythment le fil de ma vie, de nos vies. Tu as voulu guérir chacune de mes blessures, comme ayant moi le pire d'un passé noir, si parleras-tu. Et j'ai besoin de temps pour vivre dans ton regard. J'ai vécu si souvent dans un Bravo à toi. Merci. Bon. Voilà, François Gros, on peut encore applaudir. Ouais, on peut voilà. Bravo. Maintenant, Sam, tu as rendez-vous avec le fabuleux intervieweur masqué du JGDR. Génial. Allez, il arrive, je reviens après. Hop. Oh merde, attends. Venez me voir aux zèbres de Belleville. Oh mon Dieu, l'intervieweur. Bonjour. Bonjour. Je suis l'intervieweur masqué du JGDA. Embrassage de groin. Merci. J'ai quelques questions à vous poser. Oui, mais allez-y, mon très cher ami, je vous écoute. On démarre. Longue ou courte? Allez, on va faire longue. Très bien. Blanche ou noire? Blanche. On ne molle change pas. Molle ou dure? Molle. Molle ou dure? Oh, dure quand même. Dure. Je n'ai pas changé non plus là-dessus. Longue, blanche et dure. Longue, blanche et dure. Chaude ou froide? Ah, chaude, hein. Je suis une grosse frileuse. D'accord. Sèche ou humide? Sèche comme le saucisson, dis donc. C'est vrai, le saucisson sec. Ouais, c'est bon. Ça. Beurre ou frites? Frites. Devant ou derrière? Devant. Avec ou sans? Avec. C'est bien ça, vraiment. Pile ou face? Pile. Twist ou tango? Tango. Aile ou cuisse? Je sais pas là. Douche ou bain? Bain. Mutine ou libertine? Mutine. C'est bien. Dominante ou dominée? Ah, dominante. Très bien. Câline ou coquine? Câline. Et enfin, chez toi ou chez moi? Chez eux. Chez eux. Chez eux là-bas. Chez eux là-bas, très bien. Ouais. C'était l'intervieweur masqué du Gigida. Au revoir. Enchanté. Au revoir, l'intervieweur masqué. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est génial.
Bon, ça s'est bien passé. Oui, non, mais comme d'habitude, hein, bon. Il est super. Bah viens avec moi. Allez. C'est bientôt la fin de l'émission. La petite poule, oui. Tu vas appeler qui, Nicolas Sarkozy? Mais Sarkozy, j'ai toujours pas eu depuis que t'es venu. Ça bah voilà, non, que t'es venu. Mais c'est parce qu'il est trop occupé. Bah ouais, mais j'aimerais bien l'avoir au moins une fois. Pour bah lui parler oui, au moins qu'il te dise bonjour, Jackie. En plus, je sais qu'il regarde l'émission, Nicolas Sarkozy. J'appelle alors, donc le palais de l'Élysée. Réponds, Nicolas. Nicolas, alors. Même si t'es en Guadeloupe, réponds. Bon. Réponds toujours y a pas. Il n'y a pas de tonalité, il n'y a rien là. De toute façon, comme ça, c'est très bien. Hein. Je réessaye. Allez, vas-y. J'essaye donc de joindre le président de la République, Nicolas Sarkozy. Votre appel ne peut aboutir. Ah, pourquoi? Bah pourquoi m'appelle papa? L'initiative que vous avez demandé n'est pas utilisée. Il faut changer de numéro de téléphone. Bon, c'est pas celui-là là? Non, de toute façon, je n'ai plus le temps, je dois rendre l'antenne, oh Sam. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, pourquoi? Donc, je rappelle que Sam, never, se produira jeudi 13 de janvier, c'est-à-dire ce jeudi-là. Bah voilà, on est lundi, donc ça fait mardi, mercredi, jeudi, trois jours, j'ai pas la pression. La salle s'appelle le Zèbre de Belleville. Voilà. C'est super sympa, c'est boulevard de Belleville, allez-y. Hein, c'est à quelle heure? C'est à 20h30. À 20h30, précise, car Sam est très précise. Regarde, moi aussi, je fais ta pub. Voilà, c'est très bien. Merci d'être là. J'aime Zaki. Ah, j'aime Sam. Bon, on se casse? Allez, on y va. Allez, bisous. Bisous. À jeudi, alors. Ouais, jeudi. Moi, je vous retrouve à 17h45 demain pour un nouveau JJDR. Super, ciao, au revoir. Puis au revoir. Au revoir. Les chaussures. Conflit, amour, secret de famille, nouvelle saison, c'est dans un instant.